Chose promis, chose due. On va se préparer maintenant, on a quelques jours, quelques semaines encore pour se préparer Matan Torah qui approche. Et comme on le dit tout le temps mes amis, on ne le répétera jamais assez. Tout dépend, Rabbi Julien, de la préparation. Plus tu prépares une chose, plus tu la vis. Alors arrêtons de passer à côté des grands événements. Rabbi Raphaël, arrêtons de passer à côté des grands événements. Préparons-nous à eux pour pouvoir les vivre de manière intense et qu'ils nous apportent quelque chose. Tu comprends? Est-ce que vous vous rappelez, il y avait un jeu, vous allez me le rappeler, je ne me rappelle plus du nom du jeu. Il y avait un jeu. Le maillon faible. Non, un jeu vidéo là. Ah, quand on était petit. Tu sais, c'est un jeu. Attends. Et tu sais, quand le petit bonhomme il allait dessus, c'est vu, ça le faisait monter. Ah, c'est Mario? Il y avait un truc comme ça, Mario? Quand ça allait dessus, non, il y avait des trucs comme ça et ça le faisait. Sonic avait fait des trucs comme ça. Le Sonic? Avec des anneaux en or, comme ça. Je me rappelle plus. Et dès qu'il prenait ça, ça le faisait booster. Bouf! Tu te rappelles pas? Non. Bon. Sonic. Bon, c'est un peu Sonic, machin. Et Sega. Non, là, tu vois, c'était vieux, je me rappelle. Mais c'est pareil. Faut voir les éléments de la vie. Exactement comme Sonic. Comme un tremplin. Comme un booster. Mais il y a des gens, les événements, ils arrivent, ils sont bloqués dessus. Ils bougent pas, ils avancent pas. Heureux ou moins heureux. Ils sont bloqués dessus. Le type, il s'est marié une fois, c'est fini, il est encore au jour du mariage. Qu'est-ce que t'as construit entre temps? Qu'est-ce que t'as fait entre temps? Rien. C'est que ton mariage, il t'a rien amené. T'es toujours aussi gamin. T'es encore sur ta PlayStation du 20 ans au soir. Tu vas au bistrot avec les copains. Tu vas au PMU. Tu vas en Croatie en week-end avec des copains. T'as compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'événement que t'as vécu ne t'a rien amené, Rabbi Michael. C'est ça que ça veut dire. Tu te rappelles de Sonic, le jeu Sonic? Quand il mangeait des petits trucs, et ça le boostait. Eh ben, c'est pareil dans la vie. On a des événements qu'on va vivre, Bezrat Hashem. Cet événement, c'est un booster que Kadosh Baruch Hu nous donne pour. C'est pour se booster, pour avancer, pour grandir, pour se réaliser. Et il y a des gens pour aller. Je te réponds, mais c'est pas le cours. Pour aller vers ton nom. Pour aller vers ton nom, Tzadik. Ton nom, N-O-M. Pour écrire ton nom, Rabbi Michael. Voilà pourquoi on est venu sur terre. Sham, Shem, Shem, Sham. T'as compris? On est là pour réaliser son nom. Est-ce qu'on a répété plus une fois, Abbé Julien? Tu peux le dire à ma place, s'il te plaît, vas-y, Abbé Julien. C'est pour ça qu'à la fin de la tefila, nous dit le Harizal qu'il faut. Tu répètes ton nom. Pourquoi? Parce que tu peux, c'est une ségoula pour pas l'oublier, le meilleur Madine. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Ouais, et qu'est-ce qu'on avait dit? Jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé mon nom. Ah bon, putain. Mais non, Tzion, mais non. On avait dit quoi, Rabbi? Aaron, pourquoi tu as oublié ton nom après 120 ans? Et tu sais que oui, tu peux oublier ton nom. Pourquoi? Parce que si tu ne t'es pas réalisé, tu ne réalises pas ton nom. Se réaliser, c'est réaliser son nom. Son nom, il dit le nom d'une personne réalisée, c'est la Mahoutaurine chez Madame. C'est l'essence spirituelle de l'être. Toute ta mission, elle est dans ton nom. C'est pour ça que Abraham, il devait devenir Abraham à Vinou. Et pour ça, il a eu combien d'épreuves? 10. Donc les événements qu'il a vécu, pour lui, c'était pas une embûche. Pour lui, c'était pas des sables mouvants, mais ça a été un tremplin, un booster pour devenir son nom. Mais pour tout le monde, c'est ça les événements. Ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'on doit se préparer aux événements. C'est tout ça pour dire qu'on doit se préparer aux événements. Oui, mon Tzadik, moi tu m'as amené prêt contre ton mauvais oeil, quelque chose, il y a un problème? Abbé Julien? Oui. Tu veux me faire un petit remède, prêt contre le mauvais oeil? Et tu sens quelque chose? Non, je te donne tout. Ah, tu sens quelque chose là? Non, je te dis rien. Bon, alors je le lis, bien dit, non, je rigole. Pourquoi tu me l'as donné? Ah, y a pas ton nom? Mais si, je te trouve. Vas-y, trouve-le en tout temps, parce que là, c'est pas possible. Donc, mes amis, restons concentrés un seul moment, s'il vous plaît. On va se préparer à Matan Torah. Et pour ça, nous ne pouvons pas nous préparer à Matan Torah sans le Rav Dessler. Alors, tous les matins, Bezrat Hashem, on va faire un petit passage, parce que Rav Dessler, dans le Chelek He, cinquième tome, il a un chapitre Torah. On a commencé samedi matin, pour celui qui était là. On a fait 3 lignes, on n'a pas pu continuer. Tu te rappelles ou pas? En une heure, en une demi-heure. On a fait même pas une demi-ligne. Mais bon. Alors là, on va faire tous les jours un petit peu du Rav Dessler, Bezrat Hashem, et ce qui nous apprend qu'en préparation pour Matan Torah. J'ai trouvé. Voilà, il a trouvé. Voilà, il a trouvé. Quand on veut. Ki Niham Adonai Tzion, Niham Kol Chomer. Et voilà, il y a ton nom. Mais Bada, Ki Niham.
Goalem, tu le fais tous les Shabbat. Aïe, 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 aïe. Non, mais il y a son nom, c'est pas grave. C'est un nom, c'est un passage. Il y a ton nom, il y a ton nom de passou, tu lis ça, tu lis ça. Je veux dire, Torah, c'est 49 jours après la Soudégite. Je veux dire, pas le Torah. 49 jours après la Soudégite. Voilà. Du coup, tu as dit que la Torah, ça doit être la première lettre derrière de ton nom. Le veau d'or, 40 jours après. 39 et quelques heures. Parce que moi j'ai monté dans le ciel. 39 jours et quelques heures. Après 49. Bah oui, après le après Shavuot. Après Matan Torah. Exactement. Et c'est là qu'ils sont entrés dans le désert. Et moi j'ai remonté, pardonné. Bon. Aussi, entre autres. C'est Omer Arab Desler Achanot, les Kabbalat Torah. Préparation au don de la Torah. Et il dit quelque chose de très puissant là, les amis. Kabbalat Torah, Tzricha Liot Balev. Recevoir la Torah, c'est dans le cœur. Veshelot yeshum chatzitza balev amonaat radirat Torah kedusha el pimiutenu. Et qu'il n'y ait aucun écran dans le cœur qui empêcherait la pénétration de la Torah dans notre intériorité. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Tous les matins, tu le dis, Rabbi Raphaël, et tu ne penses pas ce que tu dis peut-être. Mais toi, oui, tu penses. Je vais t'expliquer pourquoi tu penses. Qu'est-ce que tu dis dans le Kriyat Shema? Ve'ahavta Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Bechol. Après, ve'ayu Hayom al levavecha. Et tout ce que je t'ai enseigné, tout ce que je t'ai ordonné, c'est quoi? La Torah Kedosha. Il faut qu'elle soit Hayom. Hayom, c'est tous les jours. Al levavecha. La Torah, je la prends, je mets sur mon cœur. Prends un sidour, tu le mets comme ça tous les jours, une heure par jour. Prends un chumash, tu le mets sur ton cœur. Non, c'est ça qu'il faut que ce soit. Omer et Agmara, Meset Yoma, écoute bien ce qu'il dit l'Agmara. Lorsque le Kohen Gadol y s'habillait de ses habits de Kohen, il écrit dans la Torah, qu'est-ce qu'il écrit dans la Torah? Velavash, Kohen, Michnesevat. Il parle là-bas de tout ce qu'il est, les habits du Kohen. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Al Bessaro. Il mettra l'habit Al Bessaro. Il doit mettre ses habits là, Al Bessaro sur sa peau. Doreshet Agmara, c'est quoi Al Bessaro? Chez lui, Yedavachotzetz, Ben O, les Ben? Les Ben Abgadim. Abgadim. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fasse écran entre les Big Dekeuna et sa peau. Ça peut être un tricot d'Amar. En Malasot. C'était les habits directement sur la peau. De là, qu'est-ce que tu comprends, Michel? Lorsqu'il y a écrit dans le Kriyat Shema, Michel, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Kriyat Shema? Vayu adorim alei Hashem sevecha hayom al levavecha. La même manière que le ral du Kohen, il fallait pas qu'il y ait quoi? Quelque chose qui fasse écran entre la bide de Keuna et sa peau. Al levavecha, la Torah doit être. Faut pas qu'il y ait quelque chose qui fasse écran entre toi. Et ta Torah, et le cœur. Si maintenant tu mets des écrans entre la Torah et ta personne, t'étonnes pas que ça avance pas. T'étonnes pas que tu comprennes pas. T'étonnes pas que tu n'aimes pas. T'étonnes pas que tu trouves pas de goût. T'étonnes pas que t'es encore loin. Pourquoi? Parce que tu mets des écrans. Les plus grands écrans qu'on met, c'est quoi? C'est ça. Voilà, il est là. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Voilà, il est là, d'accord? Voilà, il est là toute la journée. Quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Crunchy crutch. Hein? Sans rentrer, moment sortant. Crunchy crunch. Après, c'est 3 heures sur Facebook. Après, c'est 4 heures sur Adin. Après, c'est. Et ainsi de suite. Instagram, TikTok, BookTok, BigTok. Combien de temps tu perds? Combien de temps on perd? Et après, il dira à Dessler, après, on se plaint. Après, on se plaint. Ouais, mais écoute, je comprends rien, j'aime pas, je trouve pas le goût, ces trucs, ça me parle pas. Et ça me passe, ça te parle pas, fiston. Tu sais combien de couches t'es mis entre toi et ton cœur? Omer Arab Dessler. Le Kabbalat Torah, c'est quoi Matan Torah? C'est pas quoi Matan Torah? Tu peux venir tous les matins, tu dis, mais regarde, je vais à la synagogue le matin, j'ai mon petit chiou, ma béa tous les jours, je fais une petite demi-heure de limoud, une petite heure de limoud, une heure et demie de limoud. Ok, j'étudie, je suis quelqu'un de bien, je fais les choses bien. J'ai le soir une fois par semaine, un petit cours d'une heure et demie, une heure de trucs. C'est aussi bien, c'est magnifique, c'est génial. C'est pas truc. Alors qu'est-ce que c'est? Il dit Rav Dessler mon tzadik, Ikar Kabbalat Torah. Écoute ce qu'on est en train de dire maintenant, Rabbi Yaron. Ikar Kabbalat Torah ou Balev.
C'est quoi au bas lèvres? C'est quoi au bas lèvres? C'est quoi le lèvres? Les midotes. C'est quoi le lèvres? Omer Amaral de Prague, Caramel Rav Dessler, c'est quoi le lèvres, Rabbi Uriel? C'est le Merkaz, Aretzonot, chez la Ben Adam. C'est le centre des volontés de l'homme. T'as compris? Qu'est-ce que tu dis tous les matins à l'Enou Shabbat? Ve'ada Tahayom, Ve'ashevota, Elevavecha. Qu'est-ce qu'on dit? Ve'ada Tahayom. Comme t'as dit, Rabbi Aaron, ben, c'est déjà bien, c'est bien. Je vais un cours de Gemara, j'étudie, Bekoulé. Ze'aïka. C'est un effort quand même. Ze'aïka. Ve'ada Tahayom. Non, je m'explique ça vite. Non, mais écoute bien ce que je veux dire. Tu vas aller au fond de ma pensée, de ce qu'on va expliquer. Ve'ada Tahayom, c'est quoi? Tu vas apprendre. Et pour apprendre, il faut s'asseoir, il faut aller, il faut aller, il faut aller, bien fait. Aval, ça ne s'arrête pas là, mon tzadik. Tu sais pourquoi? Va'ashevota Elevavecha. Cette yedia à Torah, cette connaissance de la Torah, cette connaissance de la Torah, faut que tu la fasses installer dans ton cœur. Ça veut dire quoi, dit Rav Dessler? C'est qu'il faut que tu agisses en fonction de ce que tu connais. À partir du moment, Abimrel, à partir du moment où tu agis en fonction de ce que tu connais, ça veut dire que tu le sais. Savoir dans la Torah, c'est être ce que tu connais. Alors que chez les nations, peut-être savoir, c'est un grand savant. Mais entre ce qu'il connaît et ce qu'il est et ce qu'il fait, il y a complètement un monde. Il y a un trou béant. Et c'est qui connaissait, mais qui n'était pas ce qu'il connaissait? Qui c'est qui connaissait, mais qui n'agissait pas en fonction de ce qu'il connaissait, donc il ne le savait pas? Prends exemple dans la Torah. Les Grecs, c'est la philosophie, mais le premier grec, c'était qui? Le premier philosophe, c'était qui? Le premier. Esav. Avec le sel. Esav, c'était un monstre en Torah. Il avait les péotes, le chapeau, le shtraimel, ce que tu veux. C'était un. Et il allait voir son père, et son père, il l'adorait, il les connaissait toute la Torah, plus que Yaakov Avinu. Et là-bas, il était Tsaïd Bepiv. Tsaïd Bepiv, dit le Zohar Kadosh, le Arizal. Quoi, Tsaïd Bepiv? Toute la Torah, il l'a gardé ici. Et il dit le Arizal, il dit le Chachamim, qu'il empêchait la Torah de sa bouche, il emprisonnait la Torah de sa bouche. Quoi, Tsaïd Bepiv? Tsaïd, c'est un chasseur. Donc il emprisonnait la Torah de sa bouche pour que l'empêcher de descendre ou va dans son cœur. C'est-à-dire qu'il s'empêchait d'être ce qu'il apprenait, d'être ce qu'il étudiait. Pour ne pas, exactement, accomplir ce qu'il apprenait. Et donc, c'était un grand philosophe. Tu parlais avec Essa, tu tombais. C'est vrai que c'est rassurant. Écoute, mon sadique, c'est quoi ce rassurant? Non, mais c'est-à-dire que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, moi j'en apprends, moi j'en fais, puisque je suis. Et voilà, et ben, c'est le problème. Là, on parle maintenant de quelqu'un qui apprend. On parle pas de quelqu'un qui veut même pas apprendre. Là, on te parle de quelqu'un qui apprend, mon Sadi. Il faut vraiment faire un focus sur l'Alaha, parce que la Gemara, si mon bœuf, encore. Lav Davka Alaha. Quand tu es en train d'apprendre, même dans la Gemara, mon bœuf, il est encore déverroulé, et que là-bas, tu apprends des midotes, parce que c'est des midotes. La Torah, c'est pas simplement des Alachot. Adicha, Alaha, midot. Il faut faire des cours de Moussa. Tout. Je parle de la Torah Kula. Faut que tu deviennes ce que tu. La Gemara, c'est pas vraiment. Il faut que tu. Mais sur la Gemara, tout dans la Gemara, mon Sadi. Il y a tout dans la Gemara. Tous les businessmen, ils sont dans la Gemara. Tout dans la Gemara. Ils ont une logique. Mais. Ok. Mais c'est aucun rapport avec les midotes. Mais. Là, il vous dit que c'est une façon de réagir et de réfléchir, la Gemara. Ça te donne. Mais ce qui est durable actuellement, c'est que il faut utiliser les chemins de la Torah pour améliorer sa propre façon de réfléchir. Y'a fait. Donc en faisant la Gemara, est-ce qu'on peut améliorer sa façon de voir les choses? Bevadaï. Mais il fait du moussa. La Gemara, c'est pour arriver à la halakha. Il faut les deux aujourd'hui. Il faut la Gemara, il faut le moussa, c'est ce qu'on a dit. Dans la Gemara, on peut traiter un cas concret, etc. Vous avez compris ou pas? Vashivota El Levavecha. Il dit le Rav Dessler, le Icar, c'est de vivre sa Torah. C'est de vivre ce qu'on apprend. Il faut arrêter d'être spectateur. Et pour arrêter d'être spectateur, il faut s'investir. Il faut s'investir. Bien sûr, il faut s'investir. Si on avait une machine, comme vous savez, dans les hôpitaux, les coupes pétrolières, quand on fait un Doppler, tu vois le. On verrait notre situation toraïque. Hein, c'est pas ça le Doppler? C'est dans le pied? Comment on appelle ça? Électrocardiogramme, merci mon Sadi. C'est autre chose dans les Doppler. Un électrocardiogramme. On aura un électrocardiogramme de notre situation thoraïque. Assez plat. Alors, chacun avec son électrocardiogramme, son électro-thoraïque, d'accord? Mais un, peut-être, des fois, ça sera. Il est le type, il est là. Et tout d'un coup, tu vois même plus la truc. Il n'y a même plus de place pour aller en bas. La machine, elle dit stop. Pourquoi on n'a pas. Alors, au prochain, on a expliqué ça. On a tous besoin, comme le cœur. On a besoin de. Elle est écrit que Vachot Ratzobashov. On a besoin de Aliya Veirida. Aliya Veirida, comme le cœur. Le cœur, il n'est pas entièrement en haut. Il est toujours, hop, il se vide, il se remplit. Ça, on a besoin. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans l'investissement.
dans l'investissement. Très souvent, on va s'investir, et de manière juste, hein, je ne parle pas de mythos, je parle de gens vrais, d'accord, on parle de nous, bon, prochain. Les gens vont s'investir, et quand il aura un moment de Yerida qui est sain et qui est obligatoire, c'est plus une Yerida. C'est une descente aux enfers. C'est qu'on ne sait même pas ça, on ne sait pas utiliser ce moment de Yerida hein, pour se relever. Et malheureusement, qu'est-ce que ça crée? Ça crée que tout ce que tu as construit juste avant, qu'est-ce que et en vérité, tu vas rester avec les mêmes questions pendant 50 ans, alors mais que tu avais les réponses. Sur le coup, tu as eu les réponses. Sur le coup, tu as eu les réponses. Sur le coup, tu étais là. Sur le coup, tu avais rien. Tu t'es investi, tu étais là, tu es machin. C'est dommage, c'est chaval, c'est péché, c'est dommage. Donc écoute bien ce que dit Rav Lester. La plus grande achana de Matan Torah. La plus grande achana de Matan Torah, c'est quoi? Shilui Chatzitsa Balev. Faut pas s'empêcher, mes amis. Faut pas créer des écrans entre la Torah qu'on étudie et. Et nous-mêmes. Et nous-mêmes. Faut que la Torah, elle puisse rentrer. Il faut que la Torah puisse pénétrer le cœur. Et on a dit Rabbi Aaron, pourquoi c'est tellement important que la Torah pénètre le cœur? Parce que le cœur c'est l'action en fait. Et donc tu deviens ce que tu apprends. Et tu sais quoi Rabbi Aaron? Il n'y a qu'à ce moment-là uniquement, quand tu deviens ta connaissance, et donc c'est que tu sais que tu peux aussi influencer autour de toi. Une personne qui a beaucoup de connaissances, mais qui n'est pas ce qu'il connaît, donc il ne sait pas, il ne peut pas influencer autour de lui. Tu verras, regarde, il ne peut pas influencer autour de nous. Et on doit tous influencer autour de nous. Qui on doit avancer les... Tes enfants, ta femme entier, en fait. Comment? C'est être entier. C'est être ce qu'on est en fait. Être entier. C'est... Qu'est-ce que tu veux dire par là, Michael? Comme tu as dit, les connaissances. Ouais. Ouais, c'est toi. Vas-y, ouais. Exactement. Une chlémoute, exactement. Il faut qu'il y ait ce kécher entre la tête et l'action. Et c'est pour ça que tous les matins, lorsqu'on met les tefilines, on met les tefilines chez Elia, les tefilines chez Roche. Que les filles chalées à l'échelle roche, c'est ce cachet qu'il y a entre la tête, donc la connaissance, et l'action. On ne peut pas séparer les deux. Un juif ne peut pas séparer la connaissance et l'action. Parce que la connaissance, quand tu vas accomplir ta connaissance, encore une fois, pour pouvoir la da'at, faut la shiv et la lèvre. Alors, faut enlever tous les écrans. Mais mettre tous les écrans qui nous empêchent de faire pénétrer la Torah en nous. On a tous nos écrans, on a tous nos boulets, on a tous nos problèmes. Chacun il sait où là où il est et chacun où il se trouve. Et ce qu'on dit, c'est pas que les gens pour jeter une pierre. Au contraire, il dira des lèvres. C'est pour qu'on comprenne, c'est comme atteindre Torah. Et qu'on comprenne un jour, il faut arrêter de se plaindre. Moi, je connais beaucoup de gens qui se plaignent. Bémet, je connais beaucoup de gens qui se plaignent. J'en connais. Et nous, on fait partie de ces gens-là aussi. On se plaint. On a tous tendance à se plaindre. Ouais. Oui, mais j'ai étudié avec celui-là pendant 5 ans, mais bon, c'était... C'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. Pourquoi tu t'es pas investi? Pourquoi tu n'étais pas... Pourquoi tu t'es pas investi dans ce que tu étais? C'est dommage, tu perds du temps. Tu comprends ce que je veux dire? Investis-toi. Investissons-nous dans la Torah Béhémeth. Et enlevons maintenant... La hana qu'on a pour matin Torah, faut enlever les écrans, faut enlever tout ce qui nous empêche, Bémet, de faire pénétrer la Torah au plus fond de notre être, pour la vivre. Et c'est toi le premier qui gagne, c'est le premier heureux. C'est toi qui seras le premier heureux. Parce que lorsqu'une personne, elle a la Torah, elle a un savoir de la Torah, elle a une connaissance de la Torah, elle a le savoir de la Torah, alors sa vie, elle change. Sa vie professionnelle, elle change. Parce que tu ne penses plus de la même manière. Et puis elle sait qu'elle se ment pas. Tu n'agis pas de la même manière et tu sais que tu ne mens pas à toi-même. Donc il y a quelqu'un, comme il a dit Michel, de quelqu'un de vrai, quelqu'un de chalem. Donc on a fait juste. Même pas une demi-ligne du Rav Dessler. On continuera demain par rapport à ça. Achanek Abatatoa.